Sandra. Salut. Merci pour ton acceptation. Mais avec plaisir. Donc tu reviens de loin, du sud, hein, près de Marseille, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis à côté de Marseille. D'accord, donc est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Alors je suis artiste peintre et professionnel et je fais donc des œuvres d'art, notamment des peintures sur toile. D'animaux principalement, très colorés, un peu dans le style pop art, street art, on peut dire. Voilà. Donc, d'où vient l'origine de ta passion? Alors, elle remonte très loin. C'est enfant déjà, je dessinais beaucoup. D'accord. Et c'est vrai que je dessinais d'ailleurs beaucoup les animaux aussi et les portraits. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me permettait de m'exprimer, de transmettre quelque chose. Et en fait, je me suis révélée là-dedans parce que c'est vrai qu'à l'école, c'était mon seul moyen d'expression, en fait, le dessin. Et donc, j'ai fait mes études dans le milieu de l'art aussi. D'accord. Et après mes études, j'ai voulu faire absolument que ça, en fait. Voilà. Donc, du coup, je me suis révélée artiste peintre. C'était une évidence, en fait. Pour moi. Très intéressant. Donc pourquoi les animaux en particulier? Alors les animaux parce qu'ils transmettent quelque chose de puissant, de fort et de vrai. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que l'homme, il peut être, de par ses émotions, de par son caractère, il peut y avoir quelque chose qui se transmet, qui vient fausser en fait la nature de l'homme. Et c'est vrai que l'animal, son regard, son attitude, elle est vraie et je trouve que ça transmet beaucoup de choses et une force, une grande force et j'apprécie beaucoup ça. Et voilà. Donc mes tableaux, dans mes œuvres, c'est vrai que c'est le regard qui appelle le plus dans la peinture. Quels sont les animaux justement que tu aimes dessiner, peindre? Alors, particulièrement les gorilles et les félins. Parce qu'ils ressemblent beaucoup à l'homme, le gorille. Il n'a aucun filtre. Aucun filtre et donc il transmet des choses vraiment brutes. Pas de parasites. Pas de parasites, voilà. Ouais. Tout à fait. C'est fluide. Ouais. Et puis il transmet aussi la force. J'aime beaucoup transmettre la force et la puissance dans mes œuvres. D'accord. C'est vrai que tu mets pas mal de couleurs, hein. C'est très beau, je trouve.
Merci, oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup de couleurs. C'est quelque chose qui. Ça me permet de transmettre aussi une certaine émotion et une certaine gaieté. Oui. Voilà, ça rend l'étoile un peu plus colorée, ça mène de la lumière. Voilà, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Oui. Donc, comment ça se passe quand tu fais des expositions, tu présentes tes œuvres, comment ça se déroule tout ça? Alors oui, Parce que c'est pas un milieu facile, hein, j'imagine. Non, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez difficile, on va dire, sans employer des termes un peu péjoratifs, mais Oui. ça reste un milieu. Pour exposer, c'est pas simple déjà pour un artiste, donc il faut oser, faut aller voir les galeries, faut oser, faut montrer son travail, et puis c'est des coups de cœur en fait, c'est des bonnes rencontres qui font que on finit par trouver des galeries qui acceptent de nous exposer. Et c'est vrai que c'est pour nous c'est important en tant qu'artiste parce que sinon seul dans notre atelier malheureusement on ne peut pas atteindre un public large et grâce aux galeries on arrive à se faire diffuser un peu plus largement et c'est très important pour nous. Oui. Donc, tu as une équipe ou tu es toute seule Pour peindre, pour peindre et puis pour ensuite se diffuser? je suis toute seule pour peindre, toute Oui. seule pour diffuser, mais j'ai quand même un soutien assez important de ma famille. Oui, ça c'est le plus important. Voilà, notamment de Oui. mon papa, c'est vrai qu'il en ce moment m'aide beaucoup à gérer l'afflux de commentaires, de questions, voilà. Et une amie aussi d'ailleurs, une amie qui m'aide aussi beaucoup sur mes événements. C'est un peu mon bras droit, voilà, D'accord. une amie très proche qui me soutient et qui m'aide au quotidien aussi. Tes inspirations viennent comment? Tu regardes des films, tu fais de la musique, tu te balades dehors? Alors oui, elles viennent un peu de partout. Ouais. C'est musique, oui, beaucoup. J'écoute beaucoup de musique et c'est les images, les vidéos d'animaux, les zoos, les parcs animaliers. D'accord. Voilà, et c'est vrai que ça transmet beaucoup de choses et ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. Est-ce que tu as un rêve? Oui, plusieurs. Plusieurs, ouais. Mais le premier rêve d'un artiste, je pense, c'est vraiment d'être reconnu pour ce qu'il fait, d'être respecté pour ce qu'il fait et d'arriver à en vivre pleinement et de partager en fait un maximum de choses avec son public, on va dire. Voilà, c'est vrai que quand on peint pour nous, mais on peint aussi, je pense, pour les autres. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et donc, je pense que mon rêve, c'est la reconnaissance, en fait, Ouais. de mon travail. Est-ce que tu as des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer comme toi? Oui, j'en Ouais. ai un, c'est de persévérer, de jamais lâcher, parce que c'est vrai que c'est pas un milieu facile et que on se remet souvent en question, mais en fait, il faut vraiment persévérer, continuer, jamais lâcher prise, et ça finit toujours par payer, je pense. Quelque Ouais. part, on finit toujours par avoir la reconnaissance qu'on demande, je pense. D'accord. Bah, sur ce, merci beaucoup Sandra. Merci à vous. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci.